Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un OS qui est en coma prolongé qui s'appelle Desktop BSD. Dans le cadre d'un article Mémoire de vieux geek que je mets sur mon blog et dont vous trouverez comme d'habitude bien sûr le lien à bien descriptif, j'ai voulu vous parler en quelque sorte d'un OS basé sur FreeBSD, le BSD libre principal qui s'appelle Desktop BSD. Bon, le temps que je vais déjà démarrer ensemble, mais je vous expliquerai tout en détail. Donc, c'est un OS qui a été développé entre 2005 et 2009, sa période de gloire étant 2007-2009, qui a été repris dans le principe par le très léger PCBSD. En gros, Desktop BSD, c'est un FreeBSD 7.2. Donc, si je voudrais bien démarrer, ça m'arrangerait. FreeBSD 7.2, donc ça quand même ça remonte à 2009, avec le KDE de l'époque, donc en gros un KDE 3.5.10 et tous les logiciels avenants, en clair à savoir un OpenOffice 3, Firefox 3 aussi. C'était un projet qui voulait donner faire un peu comme Ubuntu et Debian, c'est-à-dire proposer une base, simplifier la base en partant d'une base solide, à savoir FreeBSD, proposer un environnement pour utilisateurs classiques. Malheureusement, le projet est en stand-by depuis 5 ans, même si apparemment il aurait été redémarré il y a à peu près en 2 ans, mais j'en sais pas plus. Donc là, c'est quand même un vieil environnement, donc par moment, ne vous inquiétez pas si ça voilà, part un peu en cacahuète, parce que c'est quand même un environnement qui date de 2009. Donc je lui ai mis un environnement basé sur FreeBSD avec 2 Go de mémoire vive et 32 Go de disque. S'il veut bien me répondre, il y aura du progrès. Voilà. Donc côté résolution écran, ça ne sera pas plus grand que de 800-600. Désolé, là c'est les limitations de l'OS de l'époque qui a quand même 5 ans déjà. Donc on va accepter. Donc, comme je vous disais, Desktop BSD voulait proposer une interface un peu. Je vais l'installer, ce sera plus simple et plus rapide pour vous montrer. Donc, vous voyez quand même, c'est un installateur tout ce qu'il y a de plus classique, enfin, du moins pour l'époque. Donc, là, je vais sauter les étapes. Là, on fait Next, on fait Installation. Voilà, donc là, c'est juste mettre. Donc, c'est une explication, c'est pas à peine d'expliquer beaucoup plus, c'est juste. Donc on va utiliser le disque en entier. Voilà. Il faut minimum 12 Go d'espace disque quand même. C'est déjà quand même assez curieux pour l'époque. Donc le temps qu'il s'installe, je vous explique en gros le principe de Desktop BSD, que j'ai un peu abordé. C'est de proposer une interface simple pour un OS quand même assez puissant que FreeBSD. Le problème, c'est que comme Debian à l'époque, jusqu'à l'arrivée d'Ubuntu, c'était pas franchement super abordable pour une personne qui voulait découvrir ça. Donc les développeurs de Desktop BSD, dont les idées ont été reprises par PCBSD entre-temps, se sont dit pourquoi ne pas proposer un environnement simple d'accès avec ce qu'il faut pour pouvoir tranquillement utiliser l'ordinateur. Donc entre 2005 et 2009, la période de gloire c'était 2007-2009, il y a deux principales versions qui sont sorties, enfin trois principales versions, la 1.0 vers 2005, la 1.5 et la 1.7. 1.7 parce que c'était FreeBSD 7. Pour information, la version stable c'est la 10.0 et la version anciennement stable c'est la 9.2 ou 9.3. Donc ça fait quand même pas mal de versions qui sont entre temps qui sont passées sous les ponts. Donc vous voyez, l'installateur était quand même assez simple pour l'époque. Le temps que s'installe, je vais aller sur le site de Desktop BSD s'il veut bien se charger et me rendre la main. Alors, c'est normal parce que quand même notre ami VirtualBox qui a quand même pas mal de puissance de calcul. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Donc je vais lancer notre ami Mozilla Firefox, compiler maison. Donc je vous disais, ça prenait quand même 12 Go d'espace, en gros à peu près autant que prend un PCBSD actuel. C'est vrai aussi avec toutes les sources et compagnie, donc déjà ça bouffe quand même pas mal de place. Non, je sais pas si.
Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah d'accord, il a planté. Apparemment. Apparemment, il a planté, donc on va recommencer l'installation. Là, c'est les allées du direct. Désolé. Donc là, je vais aller pendant ce temps-là sur le site de Desktop BSD. BSD.net, voilà. Je l'avais mis en stock. Non, là, je sais pas compris pourquoi il s'est planté. Allez, démarre, c'est bête. D'accord. Il y a un petit plantage au moment de l'installation, donc je vais redémarrer. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles cet OS n'a pas franchement beaucoup de succès, enfin, n'a pas réussi à survivre très longtemps. Donc, le temps qu'il redémarre. Voilà, c'est le site de Desktop BSD qui explique en gros ce que c'est. Le problème, c'est que dès qu'on veut des informations, ça répond vide. Arrivera vite. Donc la seule information qu'on a, c'est sur les forums. Donc le temps que Desktop BSD redémarre à nouveau. Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Donc on met yes. Donc j'espère que cette fois-ci, il va pas me faire un caca nerveux. Sinon, je serai obligé de tout recommencer. Voilà, on prend des OBSD seul, oui. On supprime la partition, comme ça on est sûr et certain que tout est bien passé. Voilà, on est parti. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc comme je vous disais, là, les seules informations, voilà, les seules informations par rapport qu'on puisse trouver, c'est il n'y a pas de nouvelles informations. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse trouver comme information. Apparemment, ils sont en train de rechercher des développeurs pour continuer. Donc apparemment, ce projet est encore un peu au point mort, ce qui n'est pas étonnant. Donc je vais voir s'il va planter, mais non, c'est donc pas fait. Donc le projet n'est pas franchement super avancé maintenant, enfin la remise en route, étant donné qu'il y a déjà quand même deux concurrents qui sont PCBSD, qui n'est pas franchement réputé pour sa légèreté, et GhostBSD qui est en version 4.0 RC3, qui est quand même beaucoup plus léger. C'est pas difficile. Donc j'espère que notre ami Desktop BSD va bien vouloir s'installer. C'est là qu'on croise les doigts. Cette tentative va être la bonne. Non, c'est juste pour vous dire que quand même, c'était un système intéressant à l'époque. Je crois que j'avais même fait un article sur mon blog, il faudra que je fasse des fouilles archéologiques. Le problème, c'est que tous les BSD libres, c'est pas franchement la joie pour faire un environnement de bureau. Même si je fais tous les 6 mois mumuse avec OpenBSD pour voir si on peut en faire un environnement bureautique, il manque quand même pas mal de petits trucs, comme la gestion automatique des périphériques amovibles, la possibilité d'avoir un démarrage simplifié. Donc c'est vraiment pour moi, les BSD sont quand même encore des environnements de serveur. Là, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment plus des environnements de serveur que des environnements pour le bureau en alternatif. Il y a déjà suffisamment de distributions Linux qui peuvent prétendre à la couronne. Ce qui est un peu dommage,
soit dit en passant. Donc le temps que DesktopBSD s'installe, j'espère que ça ne va pas prendre une demi-heure. Donc je vous disais, c'est un environnement qui avait beaucoup plu à l'époque. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, les développeurs ont décidé de laisser tomber, puis le projet est apparemment reparti, apparemment. Tant que ça ne met pas 5 ans comme, ou 5 ou 6 ans comme Gobo Linux pour proposer une nouvelle version. Hein. Bref, non, c'est méchant de dire ça. Donc c'est un peu long, désolé pour la longueur de la vidéo, mais ça au moins je vous prouve comment ça s'installe. C'était quand même un installateur assez assez avancé pour l'époque, parce qu'il faut se souvenir quand même que c'est un installateur qui a 5 ans. Et nombre de distributions Linux, même pour l'utilisateur lambda, n'ont pas un installateur aussi simplifié que ça. Il n'y a que vraiment que Ubuntu et en partie la Manjaro qui ont des installateurs vraiment simplifiés. Et vraiment agréable, aussi agréable d'emploi que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore trouver sur DesktopBSD ? Je vais essayer de... Voilà. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre sur le forum ? Ben, c'est vrai que le forum n'est pas super actif, c'est pas franchement... Ça donne pas franchement vraiment envie de... s'y approcher un peu, quoi. Parce que statistique, il y a 456 messages et 66 utilisateurs. C'est vrai que c'est vraiment la foule. Je crois qu'il y a des vieilles photos de DesktopBSD. Déjà pour vous montrer en gros à quoi ça ressemblait à l'époque. Je pense que sur Google Images, on va pouvoir trouver des... Voilà, sur Google Images, on va pouvoir sûrement trouver des vieilles photos de DesktopBSD. Voilà en gros à quoi ça ressemblait. Là, c'est une, là, c'est la première version de DesktopBSD sur Wikipédia. Donc, je suppose que vous avez remarqué que le projet doit être légèrement abandonné. Il est marqué comme arrêtez. Donc, la dernière version est sortie en septembre 2009. Il est marqué comme discontinué, abandonné, quoi. Apparemment, depuis mars 2013, il serait repris. Enfin, mai 2010, il est annoncé comme. Apparemment, il y a deux reprises. D'abord en mai 2010, puis en mars 2013, c'était repris. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un système qui est super supporté. Donc, en gros, dans les spécificités, donc il y avait Febrez 17.2, OpenOffice.org 3.1.1. Pour mémoire, le premier LibreOffice, c'est le 3.3, je crois me souvenir, ou 3.4. Xorg est dans la version 7.6 je crois. Donc vraiment c'est vraiment assez vieux tout ça, c'est vraiment une plongée dans le passé. Ah, apparemment il y a un petit bug qui s'était fait, donc c'est en train de finir de s'installer. Donc désolé pour la longueur de la vidéo, mais au moins comme ça vous aurez vu l'installation en complète. Donc voilà quoi, c'est dommage, c'est vrai que c'est un peu aussi en franglais. Mais ça, c'est le problème des OS libres. Il n'y a pas souvent les personnes pour traduire tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et traduire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de lignes, même avec Google Translate en automatique, par moment, ça ne le fait pas. Non. Ça ne le fait pas du tout. Donc, une fois que DesktopBSD aura redémarré, et que tout ce qui est support linguistique et compagnie, donc vous allez revoir ce que certaines personnes ont un peu regretté, à savoir son bon vieux KDE 3.5.10. Ouais, je jamais été fan de KDE, donc sur ce plan-là, je ne me prononcerai pas. Il va falloir quand même que j'aille chercher de quoi me protéger, parce que les KDE fans, ils vont me taper encore dessus. Et j'en ai marre d'avoir des bosses partout. Voilà.
Donc en gros, voilà, c'était ça. Donc ça fait à peu près 5 ans que le projet a été officiellement abandonné. À peu près un an et demi qu'il a été à peu près repris. Donc on verra bien si, si d'ici 3 mois, il ne déclare pas être encore mettre la clé sous la porte. Donc il y a déjà suffisamment de BSD libre pour utilisateur final que faire revivre Desktop BSD, ça sert vraiment un peu d'acharnement thérapeutique. Très peu. Pour les personnes qui trouvent longue l'installation de PCBSD, vous avez la preuve du contraire. Venez pas vous plaindre après. Ah, plus que 5%, joie. Donc je vais fermer le navigateur, j'en ai plus besoin. Ça peut être accéléré un peu l'ensemble. Il y a encore, j'ai mis 2 Go de mémoire vive, ce qui à l'époque était quand même assez énorme, parce qu'en 2009, quand on avait déjà un petit giga, c'était pas si mal que ça. De mémoire, parce que ça fait depuis 2010 que je n'ai pas changé d'ordinateur, donc ah, quoi qu'en 2009, 2 gigas c'était quand même assez classique si mes souvenirs sont bons. Hein. Parce que quand j'ai acheté ma machine en 2010, désolé, c'est 36-15 ma vie, mais quand j'ai acheté ma machine en 2010 avec 3 gigas, j'avais payé 300 euros. Donc en 2 gigas à l'époque, c'était quand même assez répandu, je pense. Donc là, normalement, ça devrait démarrer. Bien sûr, je ne ferai pas les mises à jour et autres parce que je suppose que tous les dépôts de mise à jour doivent être légèrement en voie de décomposition avancée. Alors, je vais vous montrer après en vitesse l'ensemble pour que vous puissiez vous prendre une petite claque et vous souvenir de ce que c'était l'informatique il y a 5 ans, enfin du moins l'informatique libre de ce qu'il y a d'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, oui, mais à l'époque. En 2009, on était à l'époque la Ubuntu principale 9.04, c'était, sauf erreur de ma part, la Jaunty Jackalope. Et après, c'était la Karmic Koala. Ouais, c'est ça, oui, j'ai les cartes. Donc on installe les traductions. En gros, 2009, c'était entre 2 générations de. Entre 2 générations de LTS. Voilà, donc là, je vais quand même personnaliser un peu tout ça. On va rajouter un utilisateur. C'était quand même bien conçu à l'époque. Hein. Même pour l'installateur de. Bon, je retrouve l'installateur de l'époque d'Ubuntu, mais ça peut être un. À peu près autant développé. Voilà. On met le mot de passe au niveau du système. Voilà. Ça, c'est pas la peine d'envoyer. Voilà. Et normalement, voilà, il n'y a plus qu'à se connecter. Par contre, il y a un petit problème par rapport à l'heure. J'ai pas réussi à faire prendre en compte le fuseau horaire. Donc il y a 2 heures de décalage. Malgré que j'ai dit que je voulais une machine avec UTC, mais têtu. Voilà. Donc quand même déjà c'est assez rapide à charger. Comme vous pouvez le constater. Le son fonctionne. Voilà à quoi ressemblait à l'époque le KDE de l'époque. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est un KDE 3510. Alors, oui, c'est un 3510. Voilà.
Donc, si vous venez avec l'ensemble, donc les fichiers personnels, à l'époque c'était Conqueror qu'on utilisait pour gérer les fichiers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, il y avait la Logitech, la software, je sais pas si ça fonctionnera. Donc on va voir ça tout de suite. Là je promets rien parce que c'est tellement vieux. Blablabla. Proceed. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc pendant ce temps-là, on va lancer un vieux machin. Je ne sais pas si ce sera en français ou en anglais, parce que le problème de Desktop BSD à l'époque, c'était vraiment qu'il y avait pas mal de franglais. Donc on va lancer ce bon vieil OpenOffice Writer de l'époque. S'il veut bien se lancer. Donc là, bien sûr, il fallait s'enregistrer à l'époque, parce qu'à l'époque, ça appartenait encore à Oracle, si mes souvenirs sont bons. Un but, tant pour moi. Donc vous voyez quand même, c'était le bon vieux KDE tout plastoc de l'époque, KDE 3.5. Non merci, je ne vais pas m'enregistrer pour le moment. Donc je suppose que c'est la version en anglais. Donc si vous vous plaignez d'OpenOffice, de LibreOffice, voilà quoi ressemblait à l'époque OpenOffice. Hein. Avec le... c'était à 3.1.1, voilà. Donc vous voyez quand même, ça remonte... Ah, vous savez pas, à l'époque c'était avant que Oracle rachète Sun, donc ça, quand même, ça remonte pas mal de temps. Et alors les styles... Il n'y a pas grand chose qui a changé, mis à part que le code était vraiment amélioré. Alors, ça rappellera sûrement des souvenirs à des personnes, moi je ne suis pas trop... nostalgique de cette période là par rapport à OpenOffice. Hein. Donc il y avait aussi Mozilla Sunbird qui est décédé entre temps, qui s'arrêtait à la version 0. Je ne sais plus quelque chose. Calendar, voilà. Qui s'est arrêté à la version 0.9 ou 0. Ouais. Donc en gros, c'était quand même à l'époque. Assez vieux quoi, donc c'est ce qu'est Mozilla Thunderbird qui n'est plus développé entre autres depuis. Il n'y a plus que Lightning qui existe pour Thunderbird. Donc à l'époque, côté logiciel internet, donc nous avions le bon vieux Firefox 3.5, si mes souvenirs sont bons. Et oui, ça rappelle souvenir. Donc là, je laisse tranquillement travailler. Voilà, bon, bien sûr, c'est vrai, il est légèrement vieux quoi. Bah, Firefox 3.5.2. Alors on fait peut-être HTML5 pour rigoler un bon coup. Ouais, on va dire 150 points. 157 points, oui. Pour un navigateur qui a quand même 5 ans d'âge, c'est beau. Voilà, donc c'était vraiment le navigateur de l'époque. C'est vraiment... c'est pas... ça date pas d'hier, donc voilà. Ça va. Il y a quand même pas mal de petits logiciels, comme VLC de l'époque qui est de version 1.0. La première version finale de VLC. Ça, ça n'a rajeuni personne, je pense. Non, voilà à quoi ressemblait à l'époque Desktop BSD. C'est dommage que, parce que le recul du temps était quand même assez rapide, même s'il y avait pas mal de petits trucs en franglais, mais c'était quand même beaucoup plus léger, toute proportion gardée, que notre ami PCBSD. Voilà, c'est un truc que je voulais vous montrer, vous rappeler le bon vieux temps de cette époque-là. Allez, ciao !